C'est une douleur qui date, qui apparaît. Ah merde. On ressent seul. Oh putain. Les gars, hein, on voit pas ce que t'as. Alors le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, hein, ça va aller. Hein. Ouais, la gymnastique, continuez, voilà, un verre de vin rouge. Bon. Et mais au bout de quelques mois, évidemment, c'est... Oh putain. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, bon, on va faire des analyses. Donc là, t'as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, t'es monté dans le taxi pour Tobrouk, on est parti. Hein. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. Crois-moi bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui avait eu le cancer, toi? Eh, je veux pas t'affoler, hein, mais je crois que c'est héréditaire. Hein. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça, puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Mais elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80€, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue, je connais pas, là, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si t'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Hein. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre 2 jours. Donc, imagine la pression, le suspense. Donc, tu arrives chez lui. Ah, docteur. Voilà. Excusez-moi, parce que là, alors. Alors, l'autre, il prend tes résultats, mais l'autre, c'est un joueur de poker, attention.